La place d'un héros souvent clair au cœur d'un récit, mais ce qui le rend fascinant, c'est lorsqu'il est face à un monde qui ne semble pas le comprendre ou un monde qui veut le rejeter. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui n'a d'obsession que pour les héros extraordinaires et marginaux qui façonnent notre monde ou le façonneront. Bryan Singer est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 28 ans. Il est un de ces auteurs qui s'est imposé comme un emblème de la pop culture, un emblème qui façonne le monde des super-héros depuis près de 20 ans, mais pas que, heureusement. Et c'est en cela qu'il cherche à construire et déconstruire aussi l'image que l'on se fait des héros au cœur du cinéma, en touchant à différentes icônes, qu'elles soient ancrées dans un genre de film ou dans les esprits du grand public. C'est cela qui fascine chez Singer. Du jour au lendemain, il choisit, ou non, de traiter ses héros comme des marginaux magnifiques ou comme des parias qui seront prêts à tout pour vaincre le mal pur et dur. D'ailleurs, le mal dont il parle dans ses films est souvent représenté comme le mal absolu, cette force implacable qui cherche à avancer et à détruire le monde que défendent ses héros. Dans chacun des films de Bryan Singer, le héros fait face à un mal dans ce qu'il a de plus magnifique et de plus terrifiant. Et c'est en cela que ses histoires sont toujours universelles et qu'elles fascinent fortement le public. Allant de l'Empire nazi en passant par un mystérieux commanditaire allemand ou les mutants les plus dangereux, Singer est fasciné par l'impact que le mal peut provoquer sur le monde, l'incitant par là même à ériger ses héros en sauveur ultime de l'humanité, le dernier espoir que notre race aurait pour survivre. Ainsi naît le héros selon Singer, ainsi naît le super-héros moderne comme on le connaît. Paria de l'humanité, voit sauver nos prochains comme si sa vie en dépendait. C'est là que réside la beauté de son cinéma. Il voue un culte aux héros dans leur aspect le plus iconoclaste et leur donne ainsi une image et une histoire unique. C'est ainsi qu'il a construit son cinéma aujourd'hui, en regardant l'homme comme un héros qui ne demande qu'à naître, ou en regardant un héros se remettre en cause face à une situation où il n'est plus légitime de le considérer en héros. Que ce soit au travers de la saga X-Men où il a toujours questionné la véritable place d'un héros dans une société où ils sont considérés comme des êtres déviants, ou au travers de ses autres films, ces héros cherchant constamment à remettre en cause cet instant où l'on passe du bon côté, ou serait-ce le mauvais ? Les films de Bryan Singer ont parfois déconcerté même les fans de la première heure du metteur en scène. Et pourtant, à chaque fois, il cherche justement à surprendre. En mettant parfois le spectateur face à une image qui le questionne ou le fait réfléchir, c'est en cela que Singer a été, est et restera un metteur en scène à l'univers centré sur l'homme en constante évolution. Singer voit le monde comme un ensemble très hétérogène, voire même trop, où chacun est supposé avoir sa place et ne pas en bouger, alors que comme tout homme, il veut créer un mouvement, amener les gens à se révolter, à essayer de vaincre les idées préconçues et les modos sociétaux. Ces héros ne sont finalement qu'une représentation de cette révolte, de ce mouvement qui se doit d'être en marche, mais qui doit finalement réfléchir sur l'impact de ses actions pour ne pas amener le monde à sa destruction, ou même pire, amener l'homme à se haïr jusqu'à ce point de non-retour qui semble pourtant inéluctable. Plonger dans le cinéma de Bryan Singer, c'est chercher à regarder le monde par le biais d'un regard extraordinaire et finalement par le biais d'une possibilité de renouveau pour celui-ci. Singer est un auteur fasciné par le super-héros dans sa forme la plus universelle ou la plus cachée, ce super-héros qui mène les autres à se poser les bonnes questions pour faire avancer l'humanité.